président, après les révélations des Panama Papers, une nouvelle fuite d'informations impliquant les banques et les entreprises canadiennes voit le jour. De toute évidence, la stratégie de la ministre ne fonctionne pas. Le nouveau gouvernement met toujours autant d'inaction sur la question des paradis fiscaux. Le Canada a présentement un accord d'échange de renseignements fiscaux avec les Bahamas. Il faut croire que ça ne marche pas, de toute évidence. Après les révélations d'hier, est-ce que la ministre du Revenu a l'intention de revoir cette entente pour s'assurer qu'il y a réellement un échange de renseignements qui soit efficace et qui permette de serrer la vis une fois pour toutes aux fraudeurs de l'impôt? Bravo! Honorable ministre du Revenu national. Monsieur le Président, notre gouvernement s'est engagé à lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif et pour s'assurer que notre système fiscal est équitable pour tous les Canadiens. Permettez-moi d'être très clair. La plupart des Canadiens de la classe moyenne paient leur juste part, mais une minorité de riches contribuables parviennent à ne pas payer ce qu'ils doivent, et cela doit cesser. C'est pour cette raison que notre gouvernement a investi 444 millions de dollars pour offrir à l'Agence du revenu les meilleurs outils pour combattre l'évasion fiscale. Député Darimouski, Neget, Témiscouata, Talibas. These are the answers from last year, not from this problem, you know? New records from the Bahamas are showing that three of Canada's big banks are setting up thousands of offshore companies in the well-known tax haven. Liechtenstein, Switzerland, Luxembourg, Isle of Man, Panama, and now the Bahamas. We have tax agreements with all of them, and we're supposed to get this information from all of them. But instead, we're getting it from media leaks. Enough with the same old platitudes. Can the minister finally get to the root of the problem on tax havens? Monsieur le Président, notre gouvernement, avec ses partenaires internationaux, travaille afin de contrer la menace et la collaboration va continuer, Monsieur le Président. Nous continuerons de recueillir et d'échanger une quantité croissante de données. L'Agence du revenu traite l'information provenant des Bahamas en collaboration avec ses partenaires et en ayant recours aux besoins des ordonnances judiciaires.